Hein? On va le cleave. Ah. Une mauvaise idée. Je vais partir là-dessus. En fait, c'est des mobs qui sont ok pour faire une cleave et qui en même temps sont anti-Janna, les deux là. Plus ou moins. Peuvent aider. Verde et Wedjat. Le mec joue Janna First Pick pour jouer à Verde et Wedjat derrière. Je déteste ce mec. On veut hard focus le Verde, il faut qu'on le stun avec le Veromoth, sinon c'est perdu. Faut qu'on focus le Verde. Si on tue Verde, on a gagné. Il est tellement lent, j'ai jamais vu ça. Je vais quand même devoir faire skill 2 avec la Juno, donc autant faire ça. Incroyable. C'est un très mauvais proc violent. Ah, c'est comment je tue ce Verde en fait? Comment je tue ce Verde? Oh, j'ai squishy. Je le tue comme ça sans Verde en fait. On va reset ça un tour de plus au cas où c'est proc violent. Et là, normalement, Veromoth devrait aider. Ok, on proc tous les tours avec le Oliver. MDR, on proc tous les tours. On n'a pas besoin de tous ces procs, la vérité, j'en ai pas besoin. C'est déjà gagné là, à partir de là. À partir du moment où j'ai tué le Verde qui était Omega Squishy, c'est juste win. Ok, en vrai j'aurais dû reset ce truc là, parce que là il a son skill 2 comme ici, il risque de proc violent. Fine. Ah! Un contre Sphinx. Il prévoit des gangs aussi. C'est-à-dire qu'il veut. Il a le first pick et il va first pick Janna. Vérifiant si ce compte-là first pick Janna. Prendre la Vanessa. Il va jouer Julian, j'imagine. Ah, Ibergil. Oh là là. Rude. Ah, c'est un petit peu rude. Tu sais que la Janna, elle est même pas spécialement bien ici du coup. Contre Bergil. En plus, j'ai pas accès à gangs. Et gangs, c'est un des seuls counters bien à Bergil, je trouve. Le même en fait, Bergil n'a pas de counter. Oh, je suis parti sur une turf un peu trop passive là, mais vas-y NP. Je vais faire ça, en fait c'est un bruiser qui me donne l'initiative, mais à quel prix, pourquoi? Je pense qu'il banne la Janna. Et moi je jabanne, je pense que j'abanne ça. Et l'ange je serai pas là. En fait soit je gère pas Zeratul, soit je gère pas l'ange. Ah bon? Bah oui en fait il dit qu'il m'outspeed, mais le truc c'est qu'il a pas de setup break dev du coup. Je pense que j'ai fait le meilleur ban possible par rapport à son ban. Ah si, il peut juste setup break dev sur la Juno par contre. Mais du coup je vais jouer là. Ouais. Ok, attendez. Potentiellement, on est en train de s'en sortir. Pas trop envie de m'avancer. Zeratul, c'est vraiment, vraiment bien. Après, je me dis qu'on a quand même ici un mob sapin. Ok, bon, bah lui aussi, il a un mob sapin, il est proc violent. Je crois que je vais aller directement là-dessus, j'ai pas le choix. Enlever l'anticrit de. Oh, il proc encore. Mais. Ouais, bah ouais. Ok. Ouais, bah ouais. Hein.
Non. Ouais, bah ouais, mais c'est perdu là. Là, je vais taper ça, de toute façon il y a des affaires, mais j'ai perdu là, en vrai la vérité, je peux gagner là. Les deux procs violents là qui à l'open sont trop clutch, et puis je rate le strip sur le Zeratu, je peux pas le bomber. Il y a un problème là, et en fait il faudrait que je proc violent une fois là. Oui à faire. Non, c'est les autres là, qui proc violent, c'est pas moi. Hein. Ok, ça c'est big. Mais bon, c'est quand même perdu là. En vrai, je peux plus gagner. Ah, il a trop de chance, la vérité. Ok, attendez. Et. Faire ça, lancer la tech. Ok, il reste secret. Ok, on va s'en sortir. Waouh. On devait tellement la gagner celle-là à l'open. Et franchement, là, Eleanor a fait un taf monstre. On devait tellement la gagner à l'open. On a tellement eu de la mauvaise chance. Mais derrière, là, Eleanor a tellement carry. Normalement, je reviens jamais de ça. Si je la lock sac pas derrière, je reviens jamais de ça. Waouh. Oh, purée de pomme de terre. Waouh. 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 Wow. Ça pique ça. Il a un compte de fou, lui. Il a cover C. Cover C. Dès que t'as cover C, le compte est incroyable. J'aime bien Eleanor. Et Noah plutôt parce que ça peut légumiser un peu Jäger. Tout ça ok. Allez là c'est potentiellement de ses bannes hein, ici. Soit il banne Eleanor, soit il banne Anne. Moi j'ai banne son setup back def. Ok. Bon. Lead raid alors qu'on est capable à Q. On est capable à Q sur 3 de nos 4 mobs. La question c'est qu'est-ce que je vais focus. Faire ça et on va aller taper Jäger, je pense, pas le choix. Oh, la personne, bravo. Bah ouais. Bah ouais. On va taper là, du coup. Ah, la Angela joue avant son cover C. What the fuck. Et il proc violent. Résistance into proc violent. Attends, mais il a une Angela qui joue avant son cover C. Mais il a mis un set à 200 en vieux sur mob ou quoi? Mais arrête de proc tous les tours! Regarde, il a déjà skill 3! Regarde! Le mec a fait skill 3, skill 2, skill 1, et là il a skill 2 à nouveau, il peut refaire skill 3. Hello! Trop fort le mec! Proc tous les tours. On va faire ça pour les dots, hein, je pense, c'est mieux, non? On va aller là-dessus. On peut mettre le backdev ou pas? Oui. Ok, ça veut dire que là, normalement, on peut le tuer avec notre... faire ça. Y'a Gunsing.
Encore un proc violent. Je vais péter mon crâne. Pas le choix. Il est légumisé. On va faire ça pour enlever le buzz speed. Je veux juste le full. Mettre bombe ici. J'avais pas la bombe là. Du coup, avec le buzz speed, j'aurais tué. Aïe 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 aïe. Hop, on va tenter le stun. Non. Faire ça. Hop. On va juste. C'est quoi? On va juste tuer en fait. Hop. Et c'est win. Chou, on a tout le temps nos CD. Alors, et le combo, il est marrant, non? En vrai de vrai, on avait tout le temps le CD de tous nos mobs. Waouh. Et Noah plus Ange, des CD courts. Incroyable le combo. Echi, mon idole. C'est un good guy, il est sympa. Attends, c'est qui? C'est Maddy. Il a quoi, Maddy, comme LD? Oh, je sais pas ce qu'il a. Vas-y, je prends ban Julian. Je sais pas ce qu'il a, les gars. Je sais pas s'il a Julian. Je sais qu'il a Ongeki. Il prévane un chou, what? Chandrin, Sagar. Ah, ça, c'est assez atypique comme gameplay. J'avoue, je n'ai pas trop l'habitude d'être confronté à ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait contre ça? J'avoue, j'ai pas trop d'idées. Un truc comme ça. Et on me dit que s'il part sur un truc comme Megang pour m'empêcher de cliquer à l'open, bien. Ah, la Yonang, c'est ça qu'il a droppé, c'est Yonang. Il me semblait bien qu'il avait droppé un mob qui était vraiment intéressant. Là, sur le coup, c'est Yonang. Juno est bien ici, j'aime bien. Je sais pas si c'est Juno ou si c'est Mewang. Je voulais pas Ragdoll. Je voulais prendre Macha. Oh, je voulais prendre Macha. Je regrette. Je regrette. Il a plein d'LD, Mali. Il a même Véronica. Il a Véronica. Mais c'est broken, Véronica. Je suis obligé de la banne. Non, j'ai perdu. Je voulais pas Ragdoll. Il sert à rien dans ma draft Ragdoll. Merci. C'est gentil. Oh. Thank you. Ok. Ok, ok. Ah, la Véronica Yonang, c'est pas mal ça, Véronica Yonang, j'aime bien. Oh, elle est trop rapide. Et je suis off wheel, aïe. Je me ferai lever la jewel. Après, il a le droit de miss. Miss, please. Ok, il a pas miss. Ah, c'est la merde. Oh, récence. Ok, je crois que c'est perdu. Ah ouais, c'est sûr. En fait, il y avait un stun qu'il fallait pas qu'il ait, c'est sur le village duel. Je pense pas que mon Mewang puisse solo, en fait. Le problème, c'est que sa Yonang, elle a l'air d'être super tanky. Elle est pas offensive, j'ai l'impression. Là, c'est une vraie Yonang, quoi. Elle est en speed, au crit. HP, mais avec beaucoup de sub speed et HP. Je crois que c'est le meilleur. Ah, je peux pas gagner. Et vous savez que à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je joue village duel, Anne et Ange, je perds. Je trouve ce trio-là, sur le papier, ça a l'air d'être bien, mais la vérité, ça ne l'est pas tant que ça. Et oh, 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 chill, chill, chill. Ok. Maybe. Maybe. Mais Wang peut le faire. Oh, il a eu mon ATB. Faut que mon Mewang poke tous les tours. Surtout maintenant pour s'enlever le buzz speed. Le buzz slow. Si d'approx, il y a un moment où il d'approx, c'est maintenant. Ouais, je reprends tous les debuffs et les mots posés, c'est incroyable. Je me prends absolument tous les debuffs et éléments posés. Waouh.
Il n'a plus de CD. Ok. Mais où? Mais où? Wait, mais où? Is that you? Mais who is that you? Elle a le câlin. Il va falloir aller là-dessus. Hein. Aïe aïe aïe. Je pense pas que je vais le faire. Rock. Rock. Wait. Il en espère? Je pense qu'il en espère. S'il en espère, il peut pas gagner. C'est combat de con. Il en espère, il est pas envieux. Oh là 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 là, ce Maewon qui solo la game, incroyable. Je pensais pas pouvoir gagner cette partie, en vrai de vrai. La vérité, je pouvais pas la gagner, ça là. Comment est-ce que j'ai fait pour gagner ça? Le Maewon à chaque fois qu'il fallait. Heureusement. Et terrifiant son compte. Ah bah, en parlant de compte terrifiant. Mais cette fois-ci, je peux prévenir Salora. Apsh, c'est dans mon top 3 des personnes que je peux pas battre en ladder. Top 5. Top 5 des mecs qui sont trop forts. Je ne peux battre. Au revoir, hein, avec Apriban. Je respecte Devaraja parce que je sais pas encore trop ce que je veux jouer contre lui. Il a Tianlang. Je peux pas faire ça. Écoute, je vais juste faire ça pour l'instant. Mais non, mais là. Mais oui, mais non, mais je suis bête. Attendez, je vais prendre l'Insonia. Un truc comme ça. L'Insonia, c'est un peu un force ban. Et derrière, on a Semé Devaraja qui est quand même intéressant. On ban le last. En vrai, la vérité, moi, si j'étais lui, j'aurais ban de Raja. Et en fait, je me dis que ces 4-là, ils peuvent pas gérer le 3v4, je pense. Il y a trop en 3v4. Je pense que c'est la Syrah que je veux saucer, là. Ou en tout cas, essayer. Après, j'ai l'impression que c'est Zeratou, mais il est plus tanky, mais qui est le plus long. Je pense que je tuerai, en fait, c'est ça le problème. Bon, tant pis, je vais là-dessus, j'ai pas le choix, mais... Oh, ok. Nice. Bon, trade 1 pour 1. Trade 1 pour 1, mais... Mais je pense qu'on est pas si mal que ça, ici. Je suis obligé de faire ça. Les sauts sont énormes. Après, le Tianlang, il met le break def quand même, hein. Aïe. Le Tianlang met le break def, c'est embêtant quand même. Oh. Ok, je prends vraiment cher là. Ok, il met pas le break def, c'est incroyable. Elle m'a full réduit KTB, c'est même pas close comme c'est abusé. Je suis full life. Oh 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 oh. Ok, on a eu de la chance. Sentinel Lang n'a pas mis de break death.